Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce grand thème de la résurrection. Aujourd'hui, c'est le thème de la résurrection et l'Apocalypse. Pour ma part, je vais vous commenter brièvement et bien trop brièvement le vitrail, le grand vitrail de Poitiers, de la cathédrale de Poitiers. Cette crucifixion à partir de laquelle tout s'organise, à la fois la révélation, l'histoire, l'accomplissement, et ce que nous allons pouvoir déchiffrer et de bien mettre en scène l'importance de cette croix, de cette crucifixion sur trois registres d'inégale importance. Pardon, déjà, il y a la seconde représentation n'est pas de très très grande qualité, vous pourrez agrandir les autres pour avoir plus grand détail de figuration. Une véritable évolution sur cette accentuation de la verticalité. Si nous prenons un axe vertical, nous avons des éléments majeurs qui sont mis en scène, à la fois l'histoire, le récit historique, et la partie supérieure qui s'achève avec l'ascension. La partie inférieure, c'est cette histoire, tout à fait en bas, où on voit deux personnages couronnés qui portent et qui sont en train de donner ce fameux vitrail. Ce fameux vitrail, donc, ce sont les donateurs que l'on va facilement identifier avec Aliénor d'Aquitaine et son époux Henri II Plantagenet. C'est le récit d'un événement qui peut dater effectivement donc cette représentation à travers l'association donc de part et d'autre des fils, où l'on voit effectivement quatre fils, qui seront effectivement les quatre enfants d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri Plantagenet. Dans la partie supérieure, vous avez inversé Saint-Pierre, la tête en bas, puisque la cathédrale, donc l'ancienne cathédrale de Monseigneur Rouet, donc est dédiée, consacrée à Saint-Pierre, et qui établit ce reflet en passant par le tombeau vide. C'est ce tombeau vide où nous pouvons voir un luminaire avec trois lampes qui donc accompagne ce morceau de tissu légèrement froissé, donc qui est le Saint le linceul. De part et d'autre, nous avons les représentations à gauche de l'ange qui porte une croix, signe de cette résurrection, et à droite, les saintes femmes qui apportent les onguents. Et la grande partie supérieure qui s'ouvre à nous, c'est cette crucifixion. Cette crucifixion qui semble s'étaler dans ce lien entre Saint-Pierre, où Saint-Pierre ne serait que le reflet de la mort du Christ, ou l'accomplissement de cette vie à travers la mort. On a donc les deux autres personnages qui sont de part et d'autre, Longin, qui lui porte la lance sur le côté pour transpercer le Christ. Derrière Longin, à côté de lui, se trouve la Vierge Marie, et de l'autre côté, donc, cet autre personnage qui porte l'éponge vinaigrée et Saint Jean. Dans la partie supérieure, c'est le thème de l'ascension. Ce thème de l'ascension qui va se déployer avec la représentation donc des 11 disciples, les apôtres et la Vierge Marie. Et tout à fait au sommet, c'est l'ascension. Cette révélation est importante, car de part et d'autre de l'ascension, nous pouvons voir différents personnages qui encadrent. Ces personnages qui encadrent, ce sont les anges thuriféraires qui rendent hommage à cet acte de la représentation. Le Christ est là. Nous allons partir dans cette réalité essentielle qui est extrêmement importante, a les yeux ouverts. C'est une vieille tradition donc de la période carolingienne et même avant syriaque où nous pouvons voir le Christ ayant les yeux ouverts avec ce nimbe cruciforme. C'est le Christ ressuscité. C'est le Christ de la résurrection qui déjà manifeste sa résurrection à la croix, que nous pouvons retrouver également dans les représentations des conques de la période paléochrétienne et de la réforme grégorienne. Et nous sommes là aussi
durant cette période, issue de cette réforme grégorienne, qui va revoir effectivement les rapports entre l'Église et le pouvoir. La manifestation de cet ensemble met bien en évidence la manière de mettre en priorité ce visage du Christ. Car ce qui s'organise autour du Christ, c'est également l'organisation harmonieuse qui peut s'établir entre le soleil et la lune de part et d'autre de la croix du Christ. Il manifeste la portée cosmique de la mort du Christ et rappelle les ténèbres qui se produisirent à cet instant même. Il était environ la sixième heure quand les ténèbres couvrirent toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Alors l'Apocalypse commence déjà et les révélations du Christ ressuscité sur la croix. Révélation de l'accomplissement au cœur de l'histoire, les événements sont relatés dans la partie inférieure, du côté terre, la révélation de l'ascension ouvre vers le ciel, mais accompagne dans ce mouvement l'ensemble de ce que constituent les personnages, apôtres donc, et la Vierge attendant la Pentecôte. Ces événements sont relatés au cœur d'un récit extrêmement précis. On peut se poser la question effectivement de la vénération de la croix, qui durant cette période-là et bien avant sous Sainte Radegonde, avec le monastère à côté où elle avait reçu la croix, et effectivement on peut mettre en évidence également donc le poème ou les poèmes de Venance Fortuna qui mettra donc dans ses textes Vexilla Regis toute l'importance à côté à cette vénération. Une autre question à caractère historique: quel a été le rôle de l'évêque face à la légère concurrence du culte des reliques entre Sainte-Croix et également la cathédrale de Poitiers? Pour cela, il faudra peut-être attendre la réponse du père Rouet. L'évêque de Poitiers m'a revé quand les reliques sont arrivées, avait la sagesse de faire une visite pastorale à l'autre bout de son diocèse, lequel allait jusqu'à l'île Dieu et de Noirmoutier à l'époque. Ah oui. Donc il était bien parti pour plusieurs mois. Parce qu'il n'avait aucune envie d'avoir à Poitiers ce qui s'était passé à Tours, c'est-à-dire d'avoir un monastère royal. Tout à fait. Qui a eu lieu quand même. Qui a eu lieu quand même. Ce que femme veut, n'est-ce pas? Voilà. Bon, merci Jean-Marc. Merci Péroué. L'évangile de ce cinquième dimanche est tout aussi connu, n'est-ce pas? Je suis la vigne, mon père est le vigneron. Ça nous rappelle à tous le chapitre 5 d'Isaïe, où la vigne, c'est le peuple d'Israël. Et la vigne était plus qu'un symbole, c'était vraiment une représentation du peuple. Sur le fronton du nouveau temple, puisque Hérode le Grand venait de le reconstruire, sur le fronton de ce nouveau temple, il avait fait incruster une vigne en or, avec des grappes énormes, pour montrer que, évidemment, le peuple de Dieu produisait du fruit. Seulement, cette représentation contredisait l'interdit des images. Et un beau jour, deux jeunes pharisiens un peu intégristes, par le toit, sont montés pour enlever la vigne en or du roi Hérode. Quand ils sont descendus, la police royale les attendait et ils ont été exécutés. Bon. Donc, c'est devant cette vigne que Jésus parle, puisqu'il est à Jérusalem, à l'endroit où il a célébré la scène. Il y a trois discours qui se succèdent. En fait, plus exactement, il y a un seul discours après la scène, le chapitre 13, qui est répété, une première relecture, une première réécriture au chapitre 15, et une seconde relecture, réécriture au chapitre 16 et 17. Mais pourquoi retravailler les paroles de Jésus du chapitre 13 et 14? C'est que Jésus est parti depuis un certain temps. L'évangile est écrit dans les années 90, 95,
Et il y a de nouveaux problèmes qui se posent aux chrétiens. L'Évangile, il raconte bien ce que Jésus a dit et fait, mais il le raconte également pour répondre aux besoins, aux attentes, aux problèmes des communautés chrétiennes de l'époque. Et voilà pourquoi le passage que nous lisons là nous renseigne beaucoup sur l'état des communautés chrétiennes à la fin du premier siècle. Jésus vient de dire qu'il est la vraie vigne, comme il est le bon pasteur, on l'a vu la semaine dernière, comme il est le vrai pain. Et si j'ose dire, là, dans le texte, la partie va se jouer à trois, un peu plus même, on va le voir. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a les disciples. Autrement dit, devant une communauté qui commence à ressentir des persécutions, des brimades, une communauté dans laquelle il y a déjà des divisions, voire des départs, la question c'est comment être fidèle à Jésus ? Que nous demande d'être fidèle à Jésus ? Alors, comment porter du fruit ? 5 fois, l'expression revient dans notre petit passage. Comment demeurer en lui ? 7 fois, le verbe revient dans notre petit passage. Il est donc bien évident que ce sont les problèmes de fond de la communauté chrétienne auxquels les phrases d'aujourd'hui veulent répondre. Ça serait très très intéressant qu'à plusieurs vous vous posiez la question: quels sont nos problèmes auxquels le Christ aujourd'hui doit répondre? Et comment l'Évangile va-t-il répondre à ces problèmes? Parce que il est question 2 fois de la parole. La réponse qui va être faite, c'est de demeurer dans la parole, de garder la parole, autrement dit de faire en sorte que les propos même du Christ, le témoignage rendu au Christ, nourrissent notre propre vie chrétienne et répondent à nos difficultés. Dans la pandémie que nous traversons, c'est sur la parole qu'il faut insister. Parce que si la parole est déficiente, la compréhension des sacrements, même de l'Eucharistie, est faussée. Là-dessus, il y a des phrases extrêmement claires dans le décret du Concile Vatican II sur ministère et vie des prêtres. Donc, il s'agit de porter du fruit à des communautés qui se demandent ce qu'elles peuvent encore devenir dans le monde qui est le leur, qui sont donc incertaines sur l'attitude à prendre devant les difficultés qui se présentent. Alors, donc les acteurs vont intervenir. D'abord le Père. Il y a des vignes en Bergerac, je ne vais pas m'avancer beaucoup dans ce domaine de la viticulture, mais c'est lui le vigneron. Donc il est le propriétaire de la vigne. Ça, on n'y pense pas suffisamment. Mais le Fils ne garde pas pour lui. Le Fils nous conduit au Père, qui est à l'origine de tout. Et ce Père, il nettoie et il taille. Vous savez bien, vous l'avez vu faire dans vos vignes. Et tout à fait à la fin, il est glorifié par les fruits. Donc ce que nous faisons, et là-dessus Matthieu chapitre 5 est tout à fait d'accord, le bien que nous arrivons à faire, il n'est pas pour nous glorifier, il est pour la révélation de Dieu. C'est-à-dire ce qu'est Dieu, la gloire de Dieu, que ton nom soit sanctifié, par la reconnaissance de Dieu, passe par ce que nous faisons. Faisons. Bon. Et puis, vous voyez donc qu'à ce moment-là, le Père, il est au début et il est à la fin. Il encadre le passage que nous lisons aujourd'hui. Le Fils, j'allais dire, pardonnez-moi mon expression, qui ne fait pas grand-chose. Parce que, d'abord, il est parti. Il est parti, n'oublions jamais cela. Seulement, c'est lui qui est le cep. Le cep unique, ce n'est pas une vigne. Hein.
Il ne faudrait pas traduire « je suis la vigne », il faudrait traduire « je suis le cep ». Il est le vrai cep. Il faut rester greffé sur lui. Donc, par conséquent, les gens qui sont concernés par ce passage, c'est-à-dire nous, n'est-ce pas, nous avons cinq choses à faire. Cinq choses à faire. Premièrement, nous laisser tailler. Nous laisser tailler, et nous sommes taillés par la parole. Parce que, qu'est-ce qui nous dit qu'on fait bien ? Qu'est-ce qui nous dit qu'on doit faire ceci plutôt que cela ? C'est la parole. C'est l'évangile. D'où le fait que l'évangile est la première nourriture de notre vie chrétienne. Deuxièmement, il faut qu'il demeure dans le Christ. On demeure dans le Christ par la foi. On demeure dans le Christ par le fait que jamais ne nous laissera tomber, qu'il est notre raison de vivre, et que si on tient debout, si on est fidèle, c'est grâce à lui. Troisièmement, de garder, de demeurer la parole. Ça, on l'a déjà dit. N'est-ce pas ? Quatrièmement, de prier dans la parole. C'est-à-dire de faire que notre lecture devienne une méditation. Que les mots de nos prières soient les mots mêmes de la parole du Christ. Je me souviens, il y a de ça très 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 longtemps, j'étais tout jeune prêtre, un élève de troisième, d'un seul coup, a eu cette phrase extraordinaire, en réunion d'aumônerie, « Prier, c'est dire à Dieu les mots de Dieu. » C'est fabuleux. Je peux vous garantir que je vis sur cette phrase depuis cette lointaine période. Et cinquièmement, les fidèles doivent porter du fruit. Notre foi agit par la charité, c'est-à-dire agit par l'amour. Autrement dit, ce qui va nous montrer et nous faire tenir dans la fidélité au Christ, c'est l'amour qu'on distribue. Voilà, je passe la parole au Père Nico. Merci, merci Père. Alors évidemment, ce que je vais être amené à dire, non pas en apparence tranché avec ce qui vient d'être dit, mais dans le même temps, on va rejoindre profondément tout ce qui a pu être dit, que ce soit par Jean-Marc et Nicolas, que par le Père Rouet. Nous savons, que notre existence présente est marquée par cette fin objective qu'est la mort. Je ne vous apprends rien. Mais une telle échéance pose alors la question de la finalité même de notre vie, et plus fondamentalement, celle du sens ultime de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Nous percevons aussi que la perspective d'une fin individuelle conduit inéluctablement à s'interroger sur ce que nous pourrions appeler, sur ce que nous appelons les fins dernières, sur la possibilité que le monde dans lequel nous vivons soit lui aussi destiné à finir. Comment ne pas souligner de ce point de vue l'annonce d'une fin imminente du monde qui, de manière récurrente, rythme l'histoire de l'humanité. Et pour faire droit à l'actualité, comment ne pas rappeler que le réchauffement climatique, constaté depuis plusieurs décennies, sans parler des problèmes liés à la gestion anarchique des ressources naturelles, mais aussi à la pandémie que nous affrontons, a rendu la possibilité d'une fin du monde plus actuelle que jamais. Avec ces questions, nous voici placés devant ce qui pourrait ressembler à un iceberg. La face émergée de notre questionnement laisse deviner une partie immergée qui pourrait s'avérer bien plus importante qu'il n'y paraît. En sachant que pour compliquer la donne, nous n'avons aucun accès immédiat et probant à cette partie immergée, c'est-à-dire à ce que nous ne voyons pas. L'histoire de chaque personne est marquée par un commencement et une fin. Et même si l'émergence de l'humanité coïncide avec les témoignages de croyance en un au-delà de la mort, dont semblent attester les premières sépultures découvertes, la fin de notre vie nous place face à l'inconnu. Et ce constat peut s'appliquer de la même façon pour le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui a eu un commencement et qui pourrait bien un jour du temps avoir une fin, sans qu'il soit possible à ce jour d'en annoncer le moment. À quoi s'ajoute la question d'un au-delà de ce monde qui nous confronte, là encore,
à l'inconnu. Bref, il nous est dès lors facile de comprendre que la fin, celle de l'homme, celle du monde, et la possibilité d'un au-delà est fait l'objet de théories et de croyances multiples et variées. J'ai déjà eu l'occasion de le souligner avec la deuxième vidéo consacrée à la résurrection et au sens du temps. L'émergence de la pensée de l'histoire, qui d'un commencement s'achemine vers une fin, est l'une des grandes originalités du peuple d'Israël. Privé d'espace, en comparaison des vastes empires qui l'ont entouré, le peuple d'Israël a investi le temps et inventé l'histoire. Certes, il n'a pas été le seul à tenir des chroniques. Les Égyptiens, les Assyriens, les Chinois et tous les grands empires en ont fait autant. Mais il est le seul, le peuple d'Israël est le seul à tenter de déchiffrer l'énigme de son histoire, à vouloir lui donner un sens, à la lire, à la relire, pour ne pas désespérer de son sort. Et ce faisant, le petit peuple de la Bible a aussi inventé l'espérance, une espérance qui reposait sur la foi que non seulement son Dieu finirait par s'imposer aux dieux des autres, mais qu'il était le seul vrai Dieu, l'unique, pour tout dire, le seul Dieu. Ainsi, c'est bien l'histoire qui est au cœur de la tradition biblique. Alors attention évidemment à ne pas confondre l'ordre de présentation des livres dans la Bible avec la chronologie des événements. Aujourd'hui, grâce au progrès de l'archéologie, de la critique textuelle, il apparaît que l'événement majeur de cette histoire est certainement celui de la déportation du peuple d'Israël à Babylone au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est dans cette situation éprouvante d'exil, loin de Jérusalem et de son temple détruit, que le peuple de la Bible s'unit autour de la loi et découvre la présence invisible de Dieu, qui, malgré les apparences, ne l'a pas abandonné, mais continue de l'accompagner. Je cite le prophète Isaïe au chapitre 45, « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi pas de Dieu, je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi, je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. » Fin de citation. Dans beaucoup de cultures anciennes, on a raconté des histoires, rapporté des légendes, composé des poèmes qui ont nourri la mémoire des peuples et leur imaginaire. Ils ont contribué à une représentation du monde des dieux et de celui des hommes. Avec le peuple d'Israël, une autre perspective se dégage. La lecture et la relecture des récits fondateurs contribuent à faire émerger un sens aux événements dans des contextes nouveaux, celui de l'exil et plus tard, celui de l'occupation grecque puis romaine. Et cette lecture, cette relecture, a fondé une espérance et donné une orientation à l'histoire. Au sens propre, on peut même dire que c'est cette interprétation toujours reprise qui a fait l'histoire. Contrairement au sage Coëlette, qui voit le temps comme un éternel recommencement, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les prophètes maintiennent que Dieu fait et fera surgir du nouveau. Et de ce point de vue, l'horizon de l'histoire s'ouvre. L'horizon de l'histoire est ouvert. Ainsi, il apparaît que la pensée de l'histoire qui marque si profondément la pensée occidentale est un fruit direct de la tradition biblique. Dans cette perspective, le commencement et la fin de l'histoire, celle de chaque individu et celle du monde, est portée par l'espérance. L'espérance d'un au-delà, l'espérance d'un renouvellement, l'espérance d'une vie nouvelle où il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur. L'espérance d'un monde nouveau où Dieu essuiera toute larme des yeux et où la mort ne sera plus. Mais nous aurons l'occasion de revenir ultérieurement sur cette espérance. Toujours est-il qu'elle a peu à peu disparu de l'horizon avec les découvertes scientifiques et les progrès accomplis dans bien des domaines, y compris d'ailleurs sur le plan médical, et qui ont nourri l'espoir fantasmé d'une humanité enfin libérée de tous les maux, grâce notamment au pouvoir de la raison, qui permettrait d'accroître le savoir des hommes et de percer les mystères mêmes de la nature. Force est de constater que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Et qu'il est fort peu probable que nous y arrivions. À quoi il convient évidemment d'ajouter que la question même des fins dernières, dans une perspective chrétienne, a été reléguée au second plan, après avoir occupé des siècles durant
le devant de la scène, tant du point de vue de la recherche théologique que de la prédication. Et ce que Jean-Marc Nicolas a pu nous dire du vitrail de la cathédrale de Poitiers n'a fait que le mettre en lumière. Il faut bien reconnaître que la volonté délibérée de satelliser Dieu, puis de l'évacuer de la pensée occidentale, a fortement contribué à ne plus tant se préoccuper des fins dernières que de la pertinence de la foi en Dieu. Et pourtant, c'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. Et là, je cite saint Paul aux Thessaloniciens. « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Fin de citation. Dans le langage courant, l'Apocalypse désigne la fin du monde et sa destruction. Cela peut se comprendre puisqu'il semble que ce livre, qui est aussi le dernier de la Bible chrétienne, évoque par des visions et des symboles la fin d'un monde. La révélation faite à Jean, Apocalypsis, est le titre littéral et complet de ce livre. Sa visée n'était pas d'effrayer les lecteurs, mais bien au contraire de les encourager en les invitant à considérer l'histoire humaine dans son ensemble et surtout quant à sa fin, lorsque Dieu établirait enfin son règne définitif de justice, de paix, de vérité et d'amour. Ainsi, les visions que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chargées de symboles, ne cherchaient pas à être obscures, mais à solliciter l'imagination pour que le lecteur puisse représenter des réalités invisibles ou encore inconnues. L'auteur de l'Apocalypse, saisi par l'Esprit-Saint, reçoit une vision du ciel qui lui permet de considérer le monde du point de vue de Dieu et d'annoncer la victoire finale de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans sa création totalement renouvelée. Mais ce monde nouveau ne peut advenir qu'au prix d'une destruction de l'ancien monde, abîmé, défiguré par tant de maux et de malheurs, par tant d'injustices et de violences. Le livre de l'Apocalypse est donc porteur d'une véritable espérance, celle d'un monde appelé à être sauvé par Dieu et renouvelé par le don de son amour et de sa présence. Avec le monde, c'est à l'humanité tout entière que Dieu ouvre la voie du salut par la victoire de son amour sur toutes les forces du mal et de la mort. Une victoire que Jésus-Christ nous a acquise par sa mort et sa résurrection. La résurrection de Jésus est par conséquent cet événement qui marque le début d'une transformation globale du monde. Certes, ce nouvel horizon n'empêche, et nous le voyons bien, ni la souffrance, ni l'hostilité, ni la fatigue, ni les violences, ni les guerres. Mais la Pâque de Jésus ne nous transporte pas dans un monde irréel. Elle nous atteint au plus profond de notre être pour nous faire parcourir avec espérance et joie un chemin de purification et d'authenticité, de vérité, de vérification de notre comportement qui a comme objectif la certitude d'une vie qui ne meurt plus grâce à l'amour de celui qui le premier nous a aimés. C'est ce qui explique la perspective de la fin, celle de chaque personne comme celle du monde, soit associée à la notion de jugement. Dans la lumière de la résurrection du Christ, le jugement final ne relève pas d'un arbitraire dont nous aurions tout à craindre. Elle est un appel à la responsabilité et à la reconnaissance de ce que nous sommes, devenus à la mesure de l'amour sans mesure dont Dieu nous a compris. Reste alors à nous interroger, comment la foi en la résurrection de Jésus vient-elle éclairer cette perspective de la fin, et comment m'aide-t-elle à envisager cette fin dans l'espérance? Merci pour votre attention et votre écoute, et nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir. Méditation de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous donne, à travers la parabole de la vigne, à comprendre que le peuple de Dieu est comparé à une vigne, sa vigne, son domaine préféré. Pour Jésus aussi, les baptisés sont la vigne de Dieu, son Père. C'est pourquoi le Père, comme tout bon vigneron, travaille sans cesse cette vigne par le don de l'Esprit. Dieu est le vigneron,
le Christ et le cep. Les sarments sont les amis de Jésus, les disciples. C'est moi, c'est toi, c'est nous rassemblés en Jésus-Christ. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Ce sont les fagots, anciens sarments déjà gangrénés, secs, qui ne laissent plus passer la sève. Le mieux est de les brûler. Il en va ainsi de ma vie, moments, attitudes, choix qui sont stériles pour ma foi, desséchants pour le cœur. Alors, Seigneur, je les brûle au feu de ta miséricorde. Heureusement, tout n'est pas sec dans la vigne. D'autres sarments sont encore attachés. Ils sont à faible rendement. Ils poussent tout en bois, tout en feuilles, en vrille. Ils ont une belle apparence, mais ils sont si peu féconds. C'est ce qui m'attend lorsque je laisse dormir la sève de mon baptême, lorsque je me laisse griser par le confort, le succès, par un bonheur replié sur lui-même. Qu'est-ce que je fais de la sève du Christ, de la présence du Christ en moi? Qu'est-ce que je répercute dans ma famille, dans ma communauté? Jésus, tu me donnes la solution, la serpette du vigneron. Tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde afin qu'il en produise davantage. Davantage. Seigneur, tu nous invites à vivre davantage de ta vie de ressuscité, à servir davantage, à aimer davantage. Donne-moi la force de m'offrir davantage au travail de Dieu vigneron pour qu'il purifie ma vie en dirigeant la sève là où il veut. La troisième sorte de sarments, ce sont les sarments où la sève circule librement et porte des fruits. Ce sont les croyants qui demeurent en Jésus et en qui Jésus peut demeurer. Ce sont les croyants qui se laissent habiter par la parole, qui laissent cette parole guider et transformer leur vie. C'est le disciple fermement ancré dans ton amour et dans tes commandements. Seigneur, donne-moi la force d'accueillir ta présence au plus profond de moi-même. Donne-moi de garder le cœur en paix, de reconnaître que Dieu demeure en moi, corrigeant tout, purifiant tout, vivifiant tout ce qui peut vivre. Fais que je reste attentive à la présence de ta sève en moi. Donne-moi la force, l'humilité d'appeler le vigneron quand je sens les sarments encombrés ou paresseux envahir ma vie. Donne-moi la patience d'attendre humblement les fruits de ton amour pour moi, de les reconnaître et de les glorifier. Demeurez, restez là, habitez le Christ, en faire ma demeure, entretenir une relation régulière avec lui, afin que ma foi et mon engagement ne s'éteignent pas comme la flamme d'une lampe qui manque d'huile. Telle est ma mission du disciple missionnaire. Amen.